أخبار اليوم. احنا هنقدم لكم امتحان اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى لطلبة مدارس اللغات اللي دارسين الفرنساوي من ابتدائي لغة أولى لغة فرنسية. احنا في الامتحان ده بنجيب سؤال يتعرض للفهم وسؤال عن القصة المدروسة وسؤال عن قواعد اللغة، سؤال عن التعبير، وبعد التعبير طبعا التعبير بينقسم إلى سؤال موقف، وبعد كده سؤال للتعبير موضوع كامل من 10 أو 15 سطر، بعد كده بنجيب جزء ترجمة من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية. نبتدي الآن. On commence avec nos élèves de première langue. Nous avons d'abord la première question, question de compréhension. On note cette question sur 15 points, 15 darga, 15 points. On lit la compréhension ensemble pour une ou deux fois d'abord, et puis nous lisons les questions, et pour une troisième fois, essayez de lire la compréhension pour bien répondre aux questions. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Grippe, les jeunes aussi. Plus encore que les personnes âgées, les enfants et même les jeunes sont exposés à la grippe. Il faut donc rester prudent au moment où l'épidémie s'annonce. La grippe est un danger pour les personnes âgées. Bien sûr, voilà plus de 25 ans que le monde médical attire notre attention sur cette maladie. Cette maladie qui est encore trop souvent vue comme inoffensive. Mais, et ça, on le sait moins, la grippe peut être aussi dangereuse pour les enfants et les jeunes que pour les vieilles personnes. Si le virus touche en moyenne un adulte sur 10, il touche chaque année un enfant de moins de 5 ans sur 3. Voilà ce que nous déclare la professeure Catherine Noël-Olivier. C'est la chef de service à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, en région parisienne. Et ce docteur ajoute, il faut être très prudent. Le nombre de petits-enfants de 1 à 12 mois qui risquent d'attraper la grippe est aussi important que celui de personnes de plus de 60 ans. Il est grand temps de vacciner les personnes à risque. Il faut aussi vacciner les infirmières et les professeurs parce qu'ils sont chaque jour en contact avec des malades ou avec des jeunes. Malheureusement, nous constatons chaque année que seulement 30 à 50% de ces gens se font vacciner. C'est trop peu. Pour les personnes jeunes ou adultes qui ne sont pas à risque, on peut se demander si une vaccination de masse est vraiment nécessaire. Surtout parce qu'aujourd'hui, il y a de très bons médicaments qui peuvent guérir. Quand on les prend dans les 10 à 12 heures et suivent les premiers symptômes de la maladie, pour cet hiver, les experts pensent qu'il n'y aura que 2 à 2,5 millions de malades de la grippe, contre 2,9 malades l'hiver passé. Espérons que les experts ne se trompent pas. Je la lis pour une fois,
pour une deuxième fois et petit à petit, je prends question par question. Essayons de voir la première question. Les questions se divisent en A et B et C. Nous avons pour la question A 7 questions sur 7 points. La première question, quelles personnes surtout sont exposées à la grippe? Cette question me demande bien sûr de retourner à la compréhension, au texte original, le texte ou la réponse. Je vois que les personnes âgées, les enfants et même les jeunes sont exposés à la grippe. Voilà la réponse de la première question. Les personnes âgées, les enfants et même les jeunes sont exposés à la grippe, c'est-à-dire 3 catégories. Les âgés, les enfants et les jeunes, c'est-à-dire 3 catégories. La deuxième question, qui est Catherine Well Olivier? Je retourne au texte et je vois c'est qui cette dame. Je vois sur le document que Madame Catherine, c'est la chef de service à l'hôpital Louis Morier de Colombes. La troisième question, que dit Madame Catherine Well Olivier sur les enfants de moins d'un an? En se référant au texte, je trouve que Madame Catherine Well Olivier a dit que le nombre de petits-enfants de 1 à 12 mois, le texte, Madame Catherine a dit que je vois le nombre de petits-enfants, je pense c'est à la 10e ligne ou la 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à la 10e ligne, le nombre de petits-enfants de 1 à 12 mois qui risquent d'attraper la grippe est aussi important que celui de personnes de plus de 60 ans. Voilà la réponse. La troisième question, qui faut-il vacciner? La quatrième question, qui faut-il vacciner et pourquoi? La réponse, bien sûr, il faut vacciner les personnes à risque, les infirmières et les profs. Pourquoi, bien sûr? Parce qu'ils sont chaque jour en contact avec des malades ou avec des jeunes. Est-ce que toutes les personnes, la cinquième question, est-ce que toutes les personnes à risque se font vacciner? Non. Malheureusement, nous constatons chaque année que seulement 30 à 50% de ces gens se font vacciner. Ce ne sont pas toutes les personnes.
La sixième question, si on se sent malade de la grippe, quand faut-il commencer à prendre des médicaments? Eh bien, la réponse, il faut commencer à prendre des médicaments dans les 10 à 12 heures qui suivent les premiers symptômes de la maladie. La septième question. D'après les experts, combien de personnes seront malades de la grippe cet hiver? Les experts, la réponse bien sûr, les experts, et c'est du texte. Les experts pensent qu'il n'y aura que 2 à 2,5 millions de malades de la grippe. La question B, on vous demande l'équivalent de ces 4 mots. Et c'est noté sur 4 points. Menace. Bien sûr, quand je lis menace, je retourne au texte et j'essaye de trouver le mot danger. Patient. C'est comme le mot malade. Essentiel, je cherche et je cherche dans le texte et je trouve le mot nécessaire. Remède, bien sûr, je cherche dans le texte et je trouve le mot médicament. La question C, on vous demande de dégager du texte l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de ces mots du texte. Imprudent, quel est le contraire de imprudent? Bien sûr, je vais trouver prudent. Offensive, je vais trouver dans le texte inoffensive. Je cherche aussi le contraire de heureusement. J'ai trouvé malheureusement. Et puis, je cherche le mot prochain. Quel est le contraire de prochain? Passé. Comme ça, la première question est terminée et les 15 points sont clairs. 7 et 4 font 15.